bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Regardez-moi tous ces perroquets, franchement, un beau lever de soleil, on est dans la forêt amazonienne, ça fait plaisir. 11e épisode de notre incroyable aventure sur Green Hell. Attendez, faut que je m'examine, apparemment il y a quelque chose qui va pas. Ah, une petite sangsue qui me suce pour bien démarrer cet épisode. Alors, nous sommes dans la mine illégale, les amis, j'ai regardé vos retours, j'ai découvert des trucs, j'ai pas tout vu, et en fait, ça, c'est incroyable. Regardez. Vous voyez cette petite cabane qu'on a un petit peu fouillée? Bah regardez. Ah oui, je l'avais mal fouillée. Je l'ai découvert juste avant. Le grappin, il est là. Et en fait, juste ici, regardez. Je pouvais, et je l'ai, du coup je l'ai fait, sauvegarder. On a un petit calendrier pour sauvegarder, ce qui rend la tâche super facile. On a un petit sachet de noix, allez on va manger, on se fait des petits plaisirs. Donc j'ai lu toutes les notes, évidemment, j'ai fait le tour de cet endroit. Donc voilà, je suis vraiment bien niveau santé. Ouais, je suis vraiment pas mal. J'avais voulu commencer à faire un petit abri pour sauvegarder, mais quand j'ai découvert qu'on pouvait save ici, c'était incroyable. Donc voilà, j'ai tout refait. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, donc on avait exploré un petit peu cet endroit, et puis après j'étais mort parce que j'ai fait de la merde, hein. J'avais pris du poison, je sais plus trop comment ça s'est passé. Donc voilà, on a bien fouillé cet endroit, j'ai récupéré tout ce que je devais récupérer. En commentaire, vous avez suggéré d'ailleurs que c'est carrément un petit camp de... Donc pour moi, évidemment, c'est un camp d'esclavagisme, hein, vous l'avez compris. Mais vous avez même parlé de... Comment ça s'appelle? De... Avec les femmes... Oh mince, putain, j'avais lu le commentaire juste avant de commencer cet épisode, j'ai oublié. Bref, en gros, qu'on vendait les femmes, un truc comme ça, avec les cages et tout. Enfin, il y a grave moyen que ce soit ça. On en sait pas plus. Donc les amis, normalement, il n'y a rien d'autre à fouiller par ici. Alors maintenant, on a le grappin, donc ça, c'est bon. On va pouvoir aller se rendre... à ce lieu, à deux, donc nous on est ici, voilà, va falloir qu'on aller ici les amis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au Jeep et on va suivre le chemin en espérant retourner sur le A2 et donc découvrir des nouveaux horizons, voilà. On va faire ça comme ça les amis, j'espère que ça vous plaît, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Merci pour vos commentaires, en tout cas ça fait extrêmement plaisir, on est parti en tout cas, prenez à boire, à manger, mettez-vous dans le noir, c'est très important. Et voilà, on est parti pour un long petit épisode, je pense, un peu plus d'une demi-heure. On verra comment ça va se passer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. J'espère que l'ascenseur fonctionne toujours. Il n'y a pas de raison, je pense. Mais en tout cas, c'est cool. On a ici un petit point safe, un petit point de sauvegarde. Donc, c'est vachement plaisant. Voilà, c'est vachement plaisant. Et je suis content d'avoir trouvé le grappin. Donc, en fait, j'ai tout refait, donc le chemin en off et tout. J'avais tout redébloqué, là, les scènes de dialogue. J'ai de nouveau tout refait. Et du coup, bah, juste en réexplorant, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait le grappin et qu'on pouvait sauvegarder. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. J'ai également lu les notes que j'avais zappées dans le dernier épisode. Alors, c'était rien de très important. Hein. En gros, dans les notes, il y avait des trucs du genre... voilà, le nom des gens qui étaient ici. Il y a des bruits assez sympas. Ok, c'est bien par là le chemin. Très bien. Donc les amis, là le soleil il se lève à peine. Hein, il est 7h30 donc c'est parfait pour ce début d'aventure. Nous faut qu'on aille donc direction sud. Je check encore une dernière fois. Comme ça je le ferai plus. Voilà, direction sud. On veut aller en 41-26. D'accord, 41-26. Allez, c'est parti. Est-ce que ça marche? Dites-moi que ça marche. Interrupteur. C'est bon, ça fonctionne. On peut remonter en toute sérénité. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'avais reparlé à Mia, du coup. J'ai vraiment fait comme dans le dernier épisode. J'ai reparlé à Mia pendant la nuit, donc en off. Et j'ai changé un peu le dialogue. Donc je lui ai dit comme quoi je l'aimais, etc. Et elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc je pense qu'elle est pas trop chelou, en fait. Mia, elle me prend un peu pour un con, mais... Elle a peut-être des choses à me cacher. Hop, une noix, je mange. Elle a peut-être des choses à me cacher, mais très sincèrement, elle me prend peut-être pas pour un con. Je pense pas qu'elle me prenne vraiment pour un con. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'aime. Donc voilà. Aussi, j'ai remarqué donc ce petit symbole, c'est pour les cavernes. Voilà, donc ça, c'est très bon à savoir. Voilà. Ça, c'est le pont qu'on a découvert qu'il faudra refabriquer. Voilà. Donc au niveau des marquages. Donc on va continuer l'aventure. On va suivre les chemins. On va éviter de... Vous savez que j'aime bien un petit peu longer en prenant des chemins qui n'existent pas. Carnet, nouvelle entrée, piège à coller. Quoi? Oh, piège à coller. Oh, c'est quoi? Oh, je viens d'activer un piège. Oh, c'est bon. Ça, c'est pour pendre les... Hop, une noix, je prends. J'adore les noix. Ok, c'est bon, on va pouvoir passer par là. Donc, on va suivre le chemin. Comme vous m'avez dit en commentaire, c'est important de suivre les chemins. Donc, ce qu'on va faire, voilà, on va passer devant la Jeep, de nouveau devant le Jeep, et puis... Et on va suivre le chemin pour découvrir des nouveaux horizons et pour aller à notre lieu A2 si c'est possible. Le lieu lambda 2. Voilà. Des fruits inconnus, il me semble qu'on peut les manger. Hein. Ouais, c'est bon, ça me donne de l'hydratation.
Enfin, je veux dire, ça me déshydrate, quoi. Enfin, non, ça m'hydrate. Ça y est, je dis n'importe quoi. Alors, il pleut. C'est pas mal, ça. Oh, il y a... Bah, attendez, il y a un chemin par là. Eh, les gars. On est d'accord, je suis jamais passé par là. Attendez, je découvre un autre chemin, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Mais j'y vais quand même. Ça m'intéresse. Oh là là. Ah si. Ah si si. C'est... Ah bah oui si, c'est par là qu'on est déjà passé. Non non, j'ai rien dit, j'ai rien découvert du tout. Non c'est bon. C'est le chemin habituel. Non non, tout va bien, tout va bien. Impeccable. Bon, j'ai peur de croiser des méchants, hein, je vais pas vous mentir. Un petit peu peur. Donc on va se concentrer. J'ai un peu monté le volume dans mes oreilles. Bam, c'est fait. Impeccable. Si on croise des bananes, on prend. Regardez ma jauge de santé et d'énergie en bas, c'est super. Oh, regardez les perroquets. C'est trop beau. C'est trop mignon. J'ai encore des bananes, il me reste un jour pour les manger. J'ai plein d'encas sur moi, donc ça c'est cool. Attends, j'ai des trucs pourris là sur moi, on va détruire hein, directement. Voilà. Bonjour. Alors. Ah oui, ça vous m'avez expliqué ce que c'était comme animal. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous me l'aviez dit en commentaire. Voilà. Bon, en vrai, je pense que eux ils m'attaquent pas en fait. Hein. Ces petits sangliers, ils sont mignons, tout gentils, je pense. Hein. Ça me fascine toujours autant qu'il y ait de la boue, regardez. Genre, il a plu donc il y a de la boue. Et quand il pleut pas, bah c'est pas de la boue. Ça me fascine. Ce jeu est tellement bien fait. Ce jeu est indépendant, je le rappelle. Hein. Oh là là, c'est bon ça. Allez, donc là on est au niveau du Jeep. Donc on a tout fouillé hein, dans cette bagnole. C'est quoi, des champignons inconnus? On va manger. Ça nous fait des glucides. Donc c'est plutôt bon. Au niveau glucides, je dois être bien, je pense. Donc je vais, ouais, je suis au maximum, donc je vais arrêter de trop en prendre. J'ai tout fouillé, hein. Ça sert à rien de... Donc on va suivre ce chemin, les amis. Là, on va direction... Ouais, direction sud-ouest, c'est parfait. Suivons ce chemin. Faisons attention. Pas qu'on rate quelque chose. Puis surtout, ne pas se faire attaquer. Allez, on va suivre ce chemin. Il y a des animaux là-bas. Ils m'ont fait peur. C'est quoi comme animal ? Ouais, c'est des sangliers quoi. What, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est gentil? Ah non, ça c'est des tapirs ça. Enfin, je sais pas, je dis de la merde. M'en fous! Je suis le chemin. Ouais, ils ont peur de moi. Ils ont tous peur de moi. En fait, je crois vraiment que le seul animal très dangereux, c'est les léopards là. Enfin, les jaguars. Les jaguars et puis les trucs qui t'empoisonnent. Sinon le reste, ils sont tous sympas hein. En vrai. Est-ce que je continue ouais, par là? Oh, je sais pas où je vais. Vas-y, on va continuer par là les amis. Hein. Bonjour. On est où là? Ouais, bah on va continuer de cette direction hein. Bon là je suis plus en train de suivre un chemin malheureusement. Mais là pour le coup j'ai perdu la trace de chemin là. Oh, des bâtons, on prend. Ça fait longtemps que j'en ai plus sur moi. Ah, là-bas il y a des petits champignons là. Allez, j'en prends juste une pour le plaisir. Ah, puis je prends les autres sur moi. C'est quoi? Comme ça. C'est quoi là, les souris, elles vont se calmer là hein? Les petites souris, dis donc. Salut toi. Vous êtes tous gentils dans cette forêt. Tout le monde est gentil ici. Mais non les gars, regardez où on est. Mais non les gars, on est retourné à notre camp de fortune qu'on a... C'est n'importe quoi. Les gars, je kiffe cette série. Regardez où on est. C'est excellent, les gars. Ah, oh, et j'avais fini de faire le séchoir. Ah non, il me faut encore des cordes. Mais attendez, il y en a là, des cordes. C'est excellent, on est retourné ici. Oh, ça fait plaisir. C'est-à-dire que maintenant, je connais plus ou moins le chemin, les gars, pour accéder à la mine d'or. C'est trop bon, ça. Oh, les gars. Eh, j'ai bien fait d'avoir fait un petit camp ici, en vrai. Genre là on peut save à tout moment. Là il faut mettre des petits bâtons, j'ai pas assez. On va faire... Non, tant qu'on y est on va faire ça hein. Donc là ça veut dire qu'on est à 46-21. Donc ça fait tac 46, ouais on est là en fait. Donc là on va repasser ici. D'accord. Et puis après on va traverser l'eau et on va aller au A2, d'accord. Comme maintenant on a le grappin, on va faire ça les amis aujourd'hui. Si je meurs pas entre temps. Alors on va prendre des petits bâtons, alors là j'ai des bâtons mais moi ce qui m'intéresse les amis, vous l'avez compris, c'est les petits bâtons. Voilà. J'espère qu'il me faudra pas des bâtons après parce que sinon je vais bien être emmerdé. Alors des petits bâtons. Où c'est qu'il y aurait des petits bâtons? Là il y a un petit bâton. Ensuite, j'ai besoin d'autres petits bâtons, je ne sais pas. On va voir.
toute façon, on va faire ça au fil du temps, puisqu'à chaque fois, on passe devant cet endroit, donc c'est trop cool. Et ça fait plaisir de retrouver cet endroit, les gars. Vraiment, hein, je vous jure. Ah, il m'en faut encore. Je suis dead. Bon, pour les bâtons, c'est bon. Donc là, il faut juste des petits bâtons et après, c'est fini. Donc ça, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que je peux casser? Voilà, là. Si je casse ça, je suis sûr d'avoir ce que je veux. Ça fait plaisir. Ah, je suis content. Vraiment, les gars, je suis content de repasser par là. C'était pas prévu. Donc c'était pas vraiment ce chemin que je voulais prendre. Mais bon, c'est très bien, hein. On découvrira, de toute façon, on a toute l'aventure devant nous pour découvrir plein de chemins. Donc non, clairement, c'est sympa de ouf. Allez, je cours un peu, on va se permettre. On est tellement bien. Et ben voilà. Ah, il me faut encore des cordes, c'est une blague. Il m'en faut 5 encore. Ça, faut faire ça étape par étape à chaque fois, donc c'est ce qui rend le truc très réaliste. Ah oui, dans la vraie vie, tu fous pas tout d'un coup n'importe comment, quoi. Là, on doit avoir des cordes. Il m'en faut 5. Là, j'en ai une. Là... J'en ai... Non, c'est les lianes de... Les trucs dangereux, là, pour avoir les souvenirs. Champignons connus. Ça, par contre, je vais jamais les manger. Hein. Ces champignons bleus, là, ça m'inspire absolument aucune confiance. J'ai pas d'autres lianes. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ah si, peut-être ici. Là. Oui, bien sûr. Une deuxième liane. Une troisième liane. Une quatrième. Et je vois un autre arbre là-bas, si jamais... Ouais, c'est bon, on va y aller. Là. Cinquième liane. Voilà. Grosse dédicace à toutes les femmes qui s'appellent Eliane, bien évidemment. Si votre maman s'appelle Eliane, eh bien, passez-lui le bonjour de ma part. Ah, il faut des aiguilles en os. Mais j'ai pas ça, moi. Bah, vas-y, va te faire foutre. Allez, on va sauvegarder, du coup, les amis, franchement. Hein, tant qu'on y est, bam. La sauvegarde du dessus. Et puis, nous, les gars, eh ben, on est reparti. Direction, direction l'aventure. Je regarde un petit peu ma jauge. Bon, niveau viande, pas trop ça. Mais tranquille. Les protéines. On est d'accord, c'est, Les poissons, ça redonne de la protéine, hein. On est d'accord. On est bien d'accord. Je crois, hein. Que en vrai, si jamais on se chauffe du poisson, c'est bon, ça. Attendez, j'ai pas de... Non mais attendez, je peux manger mes petits encas, si jamais. Il y a de la protéine dedans. Par contre, c'est par où qu'on traverse? Je sais même plus d'où je viens, les gars. Oh si, c'est par là, hein. Ok. Il y a un nid d'abeilles, je sais pas où. On va éviter de se prendre des urticaires. Y'a un de là que je viens. Attendez les gars, y'a bien un tronc d'arbre là. Ah voilà. Ah non. Fais chier. Je me suis fait... Non, je me suis fait piquer, je vais mourir encore, j'ai de la fièvre. Non. J'ai une plaie envenimée. Non. Les gars. J'aime pas ça. Allô. Oh. J'ai des antidouleurs par contre, les gars. Alors, je peux pas mettre sur moi. Oh, alors, tu sais quoi? Elles sont où mes antidouleurs, là? Là, antidouleurs, je mange. Eh ben, voilà! Eh ben, j'ai plus de problème! Regardez, j'ai plus rien. Allez. Terminé. C'est bon, ça. Tu sais ce qu'on va faire? Normalement, j'ai des noix de coco. Comme il pleut, je vais juste les mettre par terre pour ramasser un peu de pluie. Parce que dans ma gourde, j'ai plus d'eau. Parce que j'ai dû boire ça avant. Attendez, comment je fais pour voir? Là, la gourde, il me reste voilà, 19 sur 100, donc c'est pas ouf. Hein. Et ben voilà, j'ai plus de problème. C'est bon, ça. Ma plaie en venir. Regardez, j'ai pris un antidouleur et j'ai plus de plaie. Ah, ça, c'est pas très réaliste, mais enfin, c'est pas grave. Les gars, si jamais vous vous faites mordre, et ben n'hésitez pas à manger, enfin, à prendre un petit médoc et je vous jure, la plaie, elle s'enlève. Hein. Ah, bah, c'est sur Grinnell que ça se passe comme ça, donc. Alors, je veux remplir. Oh non, connard. Redonne-moi ça. Alors comment on remplit? On fait comme ça. Hein. C'est ça, hein. C'est bien ça. Hop, je remplis. Là, hop, je remplis. Là, je remplis. Et là, on se retrouve avec 54, donc c'est pas mal. J'attends un petit peu que les bols se remplissent, et puis comme ça... Moi, j'en suis où, moi? Oh, j'ai pas spécialement soif. Bon, on va encore remplir la gourde, et puis on sera parti, les amis. Il me reste combien d'antidouleurs? Juste une. Non, deux. Il m'en reste deux. Ah ouais, c'est bon ça. Attends, je vais les mettre ensemble. Je peux les stacker? Non, évidemment. C'est bon ça. Scorpion pourri, bah ça dégage. Hein. Tout ce qui est pourri, ça dégage. Là, on a des petites friandises. On a des petits champignons. Oh, on est vraiment bien. Hein. Oh, on est vraiment, vraiment bien. Hein. Ça m'excite. Oh, vraiment, les gars, je vous jure. J'ai jamais été aussi bien. Qu'est-ce que tu fais? T'énerve pas, mon pote, là. Pourquoi j'ai fait ça?
C'est débile. Moi, j'aimerais juste prendre ça et remplir. Voilà, comme ça, on va être à 100%. Et ça va être vraiment cool. Hop, 94, bah c'est bon. Allez, on reprend les bols. Et je bois en même temps. Parce que voilà. Et en plus, la pluie s'arrête pile à ce moment-là. C'est incroyable. Mais je suis un professionnel de la survie. Hein. Ah, vraiment, si vous voulez partir en aventure avec moi, enfin, disons, si vous voulez partir dans la forêt amazonienne, appelez-moi. Voilà, je suis mort 10 fois environ, donc je sais à peu près les dangers. Et puis encore une fois, si vous avez des plaies, bah vous prenez des calmants et puis vous allez voir, ça disparaît d'un coup. Hein. Bon. Moi, il faut que j'aille toujours direction sud. Ouais. C'est de là que je viens en même temps. Attendez, pour le moment, il faut que je passe d'abord la petite caverne. Je peux pas parler à Mia, non? Dommage. J'aurais bien aimé lui dire que je l'aime, quoi. Alors, ouais, on vient de là et on pourra aller par là-bas. On ira explorer. Il y a plein de chemins à explorer. Mais d'abord, j'aimerais qu'on aille au lieu lambda 2. Très important. Donc on va y aller. Bon, on s'en fout des petits champignons. J'en ai encore sur moi. Je parle pas des champignons à mes pieds, hein, bien évidemment. Alors, bon appétit, hein, si vous êtes en train de manger, bien évidemment. Hein. Je m'excuse pour mes propos un petit peu sales. Bon, on va éviter de se faire agresser par des jaguars. Puisque bien évidemment, on risquerait d'en croiser. Hein, comme l'autre fois. Surtout là où on va aller. Allez, un dernier check, les gars, juste pour avoir les coordonnées. 26-41. D'accord ? 26-41. Alors, on y est presque. Alors, j'ai entendu un serpent. Là, c'est le village indigène. Donc on va juste pas trop se faire remarquer. Moi, je veux juste des bananes. Hop, et puis je vais les prendre. J'ai plus de place, bah je vais les manger. Voilà. Là-bas, il y a un jaguar. Vous le voyez? Moi, je le vois bien. En un coup, il est mort. Hein. Mais tout de même, on va éviter. On va éviter, les gars. Alors. Passons par là, les amis. Ah, je préfère longer. De toute façon, je sais que c'est par là qu'il faut que j'aille. Ok. Voilà, donc là je m'en rappelle de cet endroit. Faire gaffe parce que par là il y avait des jaguars. C'est là que je suis mort. Alors, ça date maintenant, mais. Voilà, on s'en rappelle. Hein. Vous vous en rappelez de cet endroit? Bon, bah là du coup il faut qu'on traverse. Normalement. Ah bah regardez, je suis mort là-bas. Quoi? Je viens par là? Ouais, attendez, ça colle. Attendez, il faut que j'aille dans 26-41. Ah mais ça va pas ça. 44-27, mais c'est pas possible. 27-44. Ah, je suis ici. Donc là, il faut que je fasse nord, à peine nord et est. Nord-est. Ah bah alors il faut que... Ah donc j'ai pas le choix. Ah. Donc je dois vraiment aller là-bas? Là où je me suis fait attaquer par un jaguar. Très bien. Donc je vais probablement remourir. Oh. Putain, il m'a fait peur ce con. Ils sont gentils hein, du coup. Hein. Puis je vais pas le buter. Non, je suis jamais passé par là moi aussi. Ah si. Si, si, ok, ok, si, si, on est déjà passé par là. Il va se calmer lui. On est déjà passé par là. Mais on venait de là-haut. Et l'erreur qu'on a fait, c'était qu'on a... Oh, c'est beau! Salut toi. Alors là, il faut qu'on aille là. Et là, voilà, attendez, bougez pas. On n'est jamais allé là. Ah, si! Et eh ben voilà. Donc c'est là-bas que j'étais mort. Ok, non, c'est bon. Ok, regardez, là on reconnaît. Et en fait, l'erreur, voilà, il faut que j'aille là-bas. Et moi, je suis allé là-bas. On est bien d'accord, hein. Là, ça colle. 43-25. Voilà.
Et moi, je suis allé là-bas et je suis mort ici, là, à peu près. Bon, je recheck une dernière fois, puisqu'on y est, là. 42-26. Ils me font trop rire. Donc 26 c'est bon, 42 c'est bon. Donc là faut que je continue direction est impérativement. Donc c'est bien par là-bas. Bon, en vrai je vais passer par là. Si c'est possible. Ils sont trop mignons les animaux, regardez. Ils sont gentils eux. Ouais ouais. Salut les coco, les copains. Alors, serpent, lui je l'ai vu. Ça dégage, il m'aura pas une deuxième fois lui. Ça me fait de la viande. Et ben voilà. Ce serait pas ici. Et ben voilà les gars. Et ben voilà à quoi il sert le grappin. Hop, regardez-moi ça. Trop fort au grappin. 3, 2, 1, stop! Beau gosse! Ah bah si, je suis en haut. Bah c'était de la merde. Et ben voilà, bah je suis en haut. Ça c'est fait. Alors. Ça y est, je suis au lieu lambda 2. Bonjour. Oula. Mia, I found the lambda location. And it looks nothing like our tent. Then what is it? Bah qu'est-ce que j'en sais moi, on dirait un lieu de culte. Ouais bah ouais, non des lieux de paix. Just a fucking pile of stones. Hell, I really hope to find you here. Calm down, cariño. Look on the bright side. If the map pointed to this place, its owner should know how to get out of there. You just have to keep going. I don't know, Mia. It took me a while to get here. You can make it. I'm here with you, aren't I? And I'll be with you every step of the way. Just stay strong for me. I will. I promise. Non mais, hé hey. Allez, sois fort pour moi. Bon là, on a un bol rituel, d'accord. Donc on va pouvoir refaire des trucs bizarres. Oh, feuille de Molinera. Ah oh, bah arrête tes conneries. Moi, je veux fabriquer un pansement encore. Moi là, c'est bon ça. Fabriquer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une lame d'obsidienne. Oh, c'est bon ça. Non, par contre... Non mais attends, là on va pas être d'accord. Qu'est-ce que je peux jeter? Bon, je vais jeter ma pierre affûtée. Voilà. Et puis je vais reprendre ma lance de pierre, par contre. Hein, faut pas déconner. Putain, j'ai une lame en obsidienne. Fleur de nymphéa, c'est quoi fleur de nymphéa? Je ne sais pas ce que c'est, mais il me le faut. Il me le faut. Bon, c'est quoi la moulinera? Je vais l'acheter celle-là. D'accord? S'en fout, hein. On a déjà des pansements et on peut en récupérer. T'es sérieux, j'ai pas de place, mais je t'emmerde. Alors, les feuilles séchées, ça dégage. Voilà. Mais j'ai pas de place, mais tu te fous de moi ou quoi? Allez, je vais manger. Ok, intoxication alimentaire, génial. Bon, tant pis, je vais pas prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y'a rien d'autre? Ok. Bah les gars, du coup, regardons la map. Ok, donc je suis là. Là, ça continue par là. Donc on pourrait y aller. Ah, et du coup ça nous fait traverser le pont en face. Oh, c'est bon ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait les amis? Parce que là je suis fatigué. J'ai pas de quoi save. Allez, on va continuer. On va continuer les amis. Avec un peu de chance on va peut-être trouver un campement. Tu vois, genre où je vais pouvoir me reposer un peu, non? Je sais pas, j'y crois pas trop. C'est vrai que j'ai besoin de force. Ouais, il y a plein de bambous. C'est beau. On est dans une forêt de bambou, les gars. C'est tout mignon. Oula. Oula. On a encore ce rocher bizarre, là. Alors, préparer et boire un autre ayahuasca. Ouais, ça, c'était sûr. Donc, voilà. Voilà, notre prochain objectif, c'est de refaire de l'ayahuasca. Du coup, donc, pareil, pour replonger dans les pensées. Et ça va être trop fou. Voilà, parce qu'on a appris énormément de choses. J'ai trop kiffé, moi. L'épisode où on a du coup découvert l'ayahuasca. On fera ça les amis donc dans le prochain épisode. Moi ce que je vais faire les amis, je vais vous laisser ici. Je vais aller retourner à notre premier campement ici, d'accord? Pour aller sauvegarder, pour aller me reposer et pour me remettre bien, d'accord? Et dans le prochain épisode, on fera l'ayahuasca juste ici les amis. Ça va être fantastique. Donc j'espère que cet épisode vous a plu.
Je continue d'enregistrer, mais je vais arrêter cet épisode-là. Pourquoi je continue d'enregistrer? Bah, dans le cas où je meurs, bah, comme ça, vous avez une trace. Et puis, si jamais ça s'arrête dans 2 secondes, bah, c'est que tout s'est bien passé. Donc, ne vous inquiétez point. Là, je vais redescendre. Impeccable. Donc, si cet épisode vous a plu, les amis, je compte sur vous pour le liker. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode et pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao, ciao tout le monde.